Bonjour à tous. Je suis général Bara Amazon. Je fais partie des Amazones d'Afrique. Je vis à Paris et je suis venu spécialement pour soutenir le peuple du Mali qui se bat contre. Des militaires français sur cette terre. Nous en France, nous dénonçons tout le temps. Nous nous adressons à M. Emmanuel Macron. Je sais qu'ici, je ne suis pas dans un pays où j'ai le droit de dire ce que je pense librement. Donc je vais devoir aménager mes paroles. Mais je voudrais dire une chose, je suis malienne. Je suis la fille de Monimo Keita. Je suis la fille d'Awa Keita. C'est elle qui nous a donné la possibilité à nous, les femmes africaines, d'avoir la journée de la journée internationale de la femme. J'aurais bien voulu voir ici beaucoup de femmes. Kadhafi avait compris le rôle de la femme, c'est que quand la femme s'engage dans le combat, elle ne recule pas. Et aujourd'hui, ce combat est le nôtre. Nous devons nous battre pour la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure. Et nous avons dit non. Parce que moi, en France, je rencontre beaucoup de jeunes Maliens, beaucoup d'hommes à la belle étoile à la porte de la chapelle. Et je voudrais, par l'occasion aussi, rendre hommage à notre Amazone qui est tombée, la dénommée Salimata Batili. Elle était avec nous. Que son âme repose en paix. Avant qu'elle ne parte, elle nous a dit de continuer le combat. C'est pourquoi je suis sur sa terre où elle est couchée. Je suis ici. Je suis ici. Et je suis venu ici. Les militaires français doivent dégager de cette terre. En France, je n'ai jamais vu un militaire malien en train de se balader. Je n'ai jamais vu une armée africaine, ni à Paris, ni à Londres, partout je suis passé en Europe. Monsieur Emmanuel Macron, lui qui a été élu, Monsieur Emmanuel Macron, arrêtez votre politique de l'autruche. Arrêtez. Retirez maintenant vos militaires de la terre malienne. Nous n'avons pas de soucis. Les soucis se retrouvent en France, parce qu'en France actuellement, il y a une grosse grève, ça dure depuis un mois. Monsieur Emmanuel Macron doit régler les problèmes des Français et non pas les problèmes au Mali, en Afrique. D'avoir peur. Il est question de se battre. Je suis venu vous encourager, jeunes. Je suis venu vous encourager, femmes. Je suis venu vous encourager, hommes. Il n'est plus question de reculer. Il est question d'avancer. Il faut que M. Emmanuel Macron récupère ses militaires. Il faut que la France arrête d'avoir la même mise sur notre économie, sur notre monnaie, sur nos politiques. Parce qu'il y a une maladie en Afrique, c'est que lorsque nous allons aux urnes, le choix du peuple ne gouverne jamais en réalité. Et c'est la France qui est derrière tout ça. Je le dis tout haut. Alors, à monsieur le président de ce pays, je voudrais vous dire une chose, monsieur le président. Il est important maintenant que vous écoutiez la voix du peuple. Le peuple est souverain. Et c'est cela la démocratie. Nous, les femmes amazones, nous avons...
en avons marre de voir nos enfants traverser la mer et mourir. Nous en avons marre de voir les jeunes Maliens dormir à la belle étoile. Nous pleurons parce que nous avons fait des enfants. Et si nous nous battons aujourd'hui, c'est pour le meilleur. Si nous avons fait nos enfants, c'est parce que nous voulons que nos enfants puissent réussir. Nous voulons que nos enfants nous accompagnent aussi dans notre vieillesse. C'est ça. C'est pas l'occasion. Je voudrais vous dire, en tant que mère, j'ai 9 gosses et je me bats pour mes enfants. Je me bats pour le jeune africain. Parce qu'il est temps que l'Afrique sorte de cette rente. L'Afrique est riche. L'Afrique est dominée par les pays qui sont pauvres en sous-sol. Il est inadmissible que cela continue. Alors, merci à tous. Merci à toi. Merci ce soir.